L'auteur de Les Borgia à Buckingham a été interviewé ce 18 mai 2022. Il a parlé de la personnalité compliquée du prince William. Il évoque un homme colérique et imbu de lui-même un certain caractère. Le journaliste Marc Roche, spécialiste de la famille royale britannique entre autres, a parlé au Soir Mag ce 18 mai 2022. Parmi les sujets de discussion, le duc de Cambridge qui a récemment subi une humiliation cuisante alors qu'il se trouvait avec son épouse Kate Middleton au stade de Wembley pour la rencontre entre les équipes de Chelsea et Liverpool. Loin de parler de football cependant, si est-il de l'attitude du prince William que Marc Roche a parlé, notamment parce qu'il est l'auteur du livre Les Borgia à Buckingham, aux éditions Albin Michel, paru ce 18 mai 2022. Selon l'expert, le prince William a une attitude imprévisible qui peut déjà compliquer certaines de ses relations, mais ce n'est pas tout. Le prince William a une personnalité double, a expliqué Marc Roche, avant de poursuivre en donnant davantage d'explications. D'un côté, si est-il un être conventionnel, fier de l'être, traditionnel et dévoué à la tâche. De l'autre, sans doute en raison de sa jeunesse troublée, il est colérique, imbu de lui-même et de sa personne, souffre mal la contradiction. Il faut dire que la vie du prince William, tout comme celle de son frère cadet le prince Harry, n'a pas été évidente et ce malgré le confort et le privilège évident au sein duquel ils ont grandi. Les jeunes princes ont perdu leur mère, Lady Diana, très tôt et ont dû supporter l'attention du public tournée vers eux dans ce moment de deuil des plus difficiles. Selon Marc Roche, cela explique en partie que le caractère du prince William puisse être difficile. Le prince William a une mauvaise habitude, cependant le côté colérique et imbu de lui-même du prince William est loin d'être le plus important et l'expert royal souligne tout de même que l'entourage du duc de Cambridge sait que tout ceci est contrebalancé par les côtés positifs d'un homme drôle et charmant. Même si, comme tout le monde, il a également quelques petites habitudes qui mettent Kate Middleton hors d'elle. Comme par exemple sa manie de mettre ses mains sales sur un canapé, endroit où il aime particulièrement s'installer pour manger malgré les remarques réprobatrices de sa femme la duchesse de Cambridge. Loading Widget.